Hello les amis, bienvenue sur Toys or Die. Je suis heureux de vous retrouver comme à chaque fois et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu particulier qui vous parlera et peut-être ne vous parlera pas en même temps, je vais m'expliquer. Alors, comme vous le voyez, je vais vous présenter aujourd'hui une superbe figurine de chez NECA qui n'est autre que la créature du Dr. Frankenstein. Alors, tout le monde connaît la créature de Frankenstein, bien sûr, mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'en fait, NECA a sorti une petite collection sympa où elle met en scène les monstres les plus connus des années 1920-1930, entre autres la momie, le loup-garou, le vampire Dracula et ici la créature de Frankenstein. Alors la particularité, et c'est pour ça que j'ai dit que peut-être ça ne vous parlera pas, ce sont des classiques. Et donc ici nous avons la créature de Frankenstein mais avec l'acteur Boris Karloff. Donc c'est vraiment un classique et moi particulièrement j'aime beaucoup ce film parce que les mimiques, les expressions du visage de Boris Karloff sont vraiment, c'est indéniable, c'est un grand jeu d'acteur, c'est magnifique à voir, voilà. Alors même si c'est super vintage et tout ça, voilà. Et donc ici, NECA nous fait l'honneur de nous mettre le poster d'origine, l'affiche d'origine du film au moment de sa sortie. Et donc nous avons le nom des acteurs, des réalisateurs. Je trouve ça vraiment super bien fait, c'est trop chouette. Voilà, ça c'est pour la couverture de la boîte, on va dire. Et puis sur le côté, on a les présentations de la figurine telle qu'elle. Et vous voyez déjà le sculpt du visage. Ici, c'est vraiment pas le prototype, vous allez voir, en vrai, c'est vraiment super bien fait. Et oui, et donc c'est la collection de Universal Monsters, voilà. Et puis derrière, encore quelques images. Voilà, vous voyez encore différents visages de Boris Karloff en tant que la créature de Frankenstein. Et puis sur l'autre tranche, on a un autre visage. Vous voyez un visage ici, voilà, c'est vraiment bien fait. Alors, comme tous les NECA, on peut ouvrir la boîte, voilà. Je vais un petit peu reculer. Donc le contenu, on a ici la figurine, hein, c'est comme tous les NECA, avec les accessoires. Et puis encore ici, dans la couverture intérieure, on a une belle représentation de la créature de Frankenstein. Voilà, c'est vraiment super bien fait. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis l'affiche. Alors sachez que si vous prenez la version noir et blanc, puisque ici c'est la version couleur, je dois dire, c'est vrai, je n'ai pas précisé. Si vous prenez la version noir et blanc, vous n'aurez pas cette présentation. Ce sera autre chose. Alors voilà, bon, moi comme puriste, déjà j'hésitais, mais je préfère largement avoir celle en couleur et avec l'affiche originale. Voilà, c'est vraiment pour faire complet. Voilà, voilà. Alors, sachez que si on ouvre la boîte, il y a un petit truc intéressant. Enfin, peut-être pour certains, je vais vous montrer. C'est qu'on a un petit, entre parenthèses, un petit diorama, on va dire une petite présentation, qui nous permettrait donc de mettre comme ça la créature de Frankenstein, hop, ici. Par exemple, bon, vous allez me dire, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Enfin voilà, bon, si on veut se faire plaisir, si on en a envie, ça peut toujours rajouter quelque chose, voilà. Enfin bon, NECA l'a mis, pourquoi pas. Alors, venons-en à notre ami
la créature de Frankenstein. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, pour la figurine en elle-même, c'est vraiment du très beau sculpte, hein, en général. Donc on va faire un petit tour ici. Voilà. Là, les chaussures à semelles compensées sont vraiment bien faites. Hein. Les vêtements, voilà, bien que ce ne soit pas du tissu et tout, mais c'est souple, hein, donc. Hein. C'est vraiment bien fait. Alors le travail de peinture est exceptionnel. Je trouve que le grain de peau et tout, c'est vraiment très 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 bien fait. Vraiment, c'est du beau. Parce qu'il y a du NECA, hein. Il y a du NECA et du NECA. Et là, je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. Voilà. Au niveau des articulations, on va commencer ici. On a les jambes, le haut de la cuisse, au niveau du genou. On a donc au niveau des chevilles. Alors, les chevilles, elles sont pas très, 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 très articulées. Vu que, bah vous voyez, hein, la conception, la créature de Frankenstein n'est pas vraiment faite pour faire du kung-fu, hein, on va dire. Mais voilà, c'est là, ça tourne un peu. Ici, par contre, c'est assez bien articulé. Alors, au niveau des épaules, hein, alors là, on a tout ce qu'il faut. Ça s'ouvre, on peut lui faire prendre pas mal de poses. Au niveau du coude, c'est une simple articulation, hein, donc c'est pas un double. Mais c'est ce qu'il faut, juste. Bon, je le répète, hein, Frankenstein, c'est pas. La créature de Frankenstein, c'est pas une figurine d'arts martiaux, donc voilà. Le torse, il peut plier. Voilà. Et les mains, comme toute figurine de cette classe-là, voilà, peut plier, etc. Voilà. Alors on va venir quand même au point intéressant, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est le visage de l'acteur Boris Karloff, bien sûr maquillé pour le film. Mais voilà, le premier visage, regardez-moi ça, c'est superbe, c'est superbement sculpté, le regard est vraiment bien retranscrit. Si vous avez l'occasion de voir le classique de 1939, allez-y, vous serez surpris de voir la ressemblance qui est tout à fait identique. Voilà les cicatrices. Ici, c'est du beau boulot, hein, moi j'avoue. Alors, au niveau des accessoires, il y a 3 paires de mains, pardon. Donc vous avez vu qu'ici, on avait celle-ci. Et vous voyez que ça fait prendre des poses vraiment. Bah c'est très photogénique, hein, c'est presque un musée de cire, hein, c'est vraiment bien fait. Voilà, on a cette paire de mains là. Qui est, comment dire, semi-ouverte, pas ouverte. Voilà. On a celle-là. Hein, vous voyez que le travail de peinture est vraiment bien, bien foutu. Hein. Voilà. Et puis on a celles-ci qui sont faites pour tenir en fait les fleurs. Ah ouais, vous allez me dire c'est quoi, il est fleuriste? Non, je vais vous expliquer. Voilà, celle-ci. Alors dans une des scènes du film, quand la créature s'échappe, à un moment donné elle arrive près d'une ferme et il y a une petite fille qui joue. Et la petite fille, bah, elle n'est pas effrayée du tout. Et au contraire, elle lui donne des fleurs. Nous avons ici des marguerites. Voilà. Donc nous avons les marguerites, voilà. Donc ce sont des petits accessoires pour reproduire des scènes, bon, ben, c'est vraiment pour les connaisseurs, hein, les scènes du film, de la créature de Frankenstein, voilà. Alors, on va pas s'arrêter là, parce que, je vais vous montrer maintenant cette tête. Voilà, alors... Nous avons cette tête-ci, qui elle donc va très bien avec les accessoires des fleurs, puisqu'à ce moment-là, il sent les fleurs et il a une émotion en fait. Voilà, ce qui montrait dans le film qu'il n'était pas le monstre qu'on pouvait décrire,
mais qu'il avait bien des émotions. Regardez cette tête, elle est magnifique. Une expression géniale. Moi, je dis le sculpteur, bravo. C'est vraiment bien, bien, bien fait. Et on a l'autre. Alors, celle-ci, elle est un peu plus en colère. Voilà. Elle est magnifique, magnifique. Bon, bref, moi, j'adore, je suis fan, hein. J'hésitais beaucoup avant de la prendre parce que j'avais peur que les photos soient prototypes, mais au final le résultat est magnifique. Alors, j'allais vous montrer qu'il y a aussi une paire de chaînes, voilà. Alors bon, Beneca des fois nous fait la surprise de mettre du métal, comme c'était le cas avec le crank des Tortues Ninja que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps, mais ici non, c'est vraiment du plastique. Mais c'est pas grave, c'est super bien peint, c'est très bien fait, et ça se met facilement, on enlève les mains, et puis on met les chaînes, quoi, voilà. Donc il y a ça comme accessoire, ce qui fait quand même que, si je le mets dans une certaine position, voilà, ça donne quand même son petit effet, vous avouerez. C'est pas mal. Donc voilà, en bref, qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, si vous aimez les monstres classiques de ces années-là, ou tout simplement vous les découvrez et que vous vous demandiez ce que ça valait, ben je vous dis, moi, c'est top. Alors, j'ai pas encore pensé si j'allais prendre le loup-garou, la momie et Dracula, parce que je les ai pas connus personnellement de cette époque-là. Moi, j'ai connu ce film-là. Mais j'avoue, foncez, les yeux fermés, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un très beau, très beau, très beau travail. Et voilà. Alors pour le prix, c'est vraiment pas non plus excessif. Hein. C'est dans les 30. Doucement, reste là toi. C'est dans les 30 et quelques, maximum 40 euros, je pense. Donc allez-y maintenant, parce que comme d'habitude, hein, une fois qu'il n'y en a plus. Voilà. Et, je trouve que pour les accessoires qui sont fournis, c'est très très bien. Voilà, que dire de plus, si vous aimez donc les monstres et tout ça, allez-y, c'est une superbe pièce, et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous revois à très très bientôt avec des surprises, parce que je vais faire un petit partenariat avec une nouvelle chaîne, je vous en parlerai, qui s'appelle Impact, et vous allez voir, nous allons faire des chouettes collaborations. Et vous allez tomber sur des grosses, grosses, grosses pièces vraiment inédites. Vous allez aimer, je pense, et je vous présenterai ça très, très bientôt. Alors, passez une bonne semaine ou un bon week-end, selon que vous regardez, et je vous dis à bientôt. Ciao.